vous savez, Erna Olivou est présente dans le monde des télécoms en tant qu'opérateur global depuis quasiment 2 ans. Donc notre premier objectif était de lancer des solutions de télécom en termes de connectivité et voix pour les entreprises. Mission accomplie, largement accomplie. Nous avons aujourd'hui une pénétration intéressante sur le marché de l'entreprise. Et nous avons donc là pris le virage des services managés et cloud. Donc aujourd'hui, on va représenter le cloud. On s'était dit, quelle est la meilleure manière de réussir le cloud et pour les solutions, surtout sur les solutions SaaS. C'est vrai qu'on parle du cloud depuis plusieurs années déjà en Tunisie. Et on s'est dit, la meilleure manière de réussir le cloud, c'est de proposer des solutions en mode SaaS, en libre service, facilement accessible, avec moyennant 1 ou 2 clics. Je ne vais pas citer l'exemple d'OVH, mais bon, voilà. C'est un petit peu la meilleure manière de réussir dans le monde du cloud, c'est proposer des solutions faciles, accessibles et en libre service. D'où l'idée donc de holidocloud.tn, et vous allez voir après, donc, il y a une petite démonstration de prévue par Semi pour vous montrer la facilité et l'accessibilité de nos solutions. Alors effectivement, c'est un grand jour aujourd'hui pour Holido Business, parce que ça fait plusieurs mois que les équipes techniques, marketing, informatique de l'opérateur travaillent, et c'est vrai que c'est l'aboutissement d'un long travail qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors c'est un aboutissement pour nous, en interne chez Holido, et c'est le démarrage d'une aventure pour vous, qui, on espère, allez devenir client de ce marketplace. Donc, consommer du software as a service en mode cloud, c'est se mettre dans un schéma d'abonnement mensuel. Donc je paye tous les mois un abonnement mensuel, de façon à ne pas subir les contraintes de la maintenabilité, de l'achat de software, d'avoir à me déplacer, etc. etc. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là, pour découvrir qu'est-ce que c'est ce portail, qu'est-ce qu'il comporte comme application. Donc, dans son lancement aujourd'hui, le 28 avril, il est proposé ce portail, holidocloud.tn, avec 8 ISV, 8 applications professionnelles. Ces 8 applications professionnelles sont classées en 4 thèmes. Le premier thème, c'est collaborer. Le deuxième thème, c'est communiquer. Le troisième thème, c'est sécuriser. Et le quatrième thème, c'est stocker. Ces 4 thèmes, si vous demandez à un chef d'entreprise ou à un DSI de vous citer le top 5 de ses préoccupations au quotidien, allez, 80% vous citeront ces 4 thèmes-là. Donc la solution de visioconférence, c'est une solution qui permet le travail collaboratif, c'est-à-dire en fait établir des visioconférences entre différents sites, pouvoir communiquer entre des filiales, des entreprises ou voilà, des sites, partager des documents, donc un document PowerPoint, voilà, Excel, voilà, Word, vous voulez le partager avec plusieurs intervenants qui ne sont pas sur le même site. On a aussi, dans la solution de visioconférence, aussi la possibilité de partager un tableau blanc où on peut écrire dessus. Avec un par exemple, c'est très intéressant quand vous menez une formation à distance. Et puis avec un tableau blanc, écrire, commenter, faire des exercices, etc. Donc, quel est le principe d'un travail collaboratif avec la solution de Holido Videoconférence? Au début, sur le dernier mois, on a pris ce qu'on appelle dans le jargon technique des gigs. Donc des personnes qui sont rodées dans le domaine technologique IT, bien à tester. Et sur les 8 applications, on a trouvé quand même un retour très très intéressant en termes de facilité d'usage, d'accessibilité et la convivialité des solutions, des applications. Nous sommes devenus aujourd'hui un opérateur global. On propose des solutions de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, de connectivité, des solutions managées,
Et là, le cloud est quand même, comme on dit, une cerise sur le gâteau. C'est quand même un complément des offres que nous proposons et qui permettrait à l'entreprise et aux professionnels aussi, donc c'est à cible les entreprises, les business, les grands comptes, les PME et surtout les professionnels, d'utiliser des applications parmi les top 2-3 dans le monde, dans chaque domaine, à un moindre coût.